Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo retour de course, haul course. Bref, j'ai accompagné une copine, amie, comme vous voulez, sur les Sables d'Olonne. Donc vous savez, quand je vous parle de Sables d'Olonne, ça vous fait tilt. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre. On est passé au comptoir de Mathilde. Elle m'a proposé de m'emmener, elle m'a un peu, eu par les sentiments, me disant « Ah, t'as pas une boutique à faire là-bas au Sable d'Olonne pour que je l'accompagne ?» Et puis je me suis dit « Oui, tu as raison. » On est à une semaine du mois de décembre, il va commencer à faire froid, enfin, du moins, j'imagine qu'il va commencer à faire froid, parce que pour l'instant, on a toujours entre 14 et 16 degrés, donc on est très bien. Il y a quelques fois qu'il y a un peu de vent qui me donnait envie de boire des chocolats, et puis ça s'est pas fait. Mais moi, quand il fait froid, j'adore me pelotonner, surtout à l'approche de Noël, me pelotonner dans un plaid et puis regarder un film de Noël en savourant un chocolat. Donc voilà, j'attendais le froid avec impatience. Il n'est pas encore arrivé, il paraît qu'il va arriver cette semaine. Donc je me suis dit, je vais faire le plein de chocolat. Comme elle n'avait pas pu m'acheter des t-shirts du comptoir de Mathilde, ni de tablier du comptoir de Mathilde, mais à mon avis, c'est qu'elle ne sait pas qu'il y en a. Elle m'a gâté quand même en m'offrant cette magnifique tasse. Donc là, vous voyez juste le comptoir de Mathilde. Alors moi, forcément, vous allez admirer mon accent anglais. Keep and calm, wait for Santa. Mais surtout, c'est cette phrase-là que j'adore. Voilà. Je peux pas, j'ai aquarène. Donc ça m'a fait délirer, le « je peux pas, j'ai aquarène ». Donc je vais boire mes chocolats chauds dans celui-ci, au moins à la période de Noël, puisque j'ai l'autre, vous savez, pour que je me suis offert moi, pour les autres fois. Et elle m'a offert deux chocolats qui vont avec. Alors, mon préféré, le chocolat aux éclats de caramel beurre salé. Et puis, leur préféré, à mes copines quand elles viennent, le ours guimauve. Ça, c'est mes cadeaux. Je commence toujours par mes cadeaux, vous avez remarqué? C'est comme ça, c'est pas... Et j'ai fait le plein de chocolat. Donc, j'ai repris des chocolats avec des guimauves. Voilà, je ne me rappelle jamais du nom. J'ai repris Fraise Tagada que j'ai goûté il n'y a pas très longtemps. Et il est vraiment très très bon. Donc, du coup, eh ben, ça sent bien la Fraise Tagada. Donc, du coup, j'en ai repris un. J'ai fait un effort sur les chocolats de Noël, mais je les trouve pas super. Enfin, il y a beaucoup avec du chocolat blanc et c'est pas forcément mes préférés, mais là c'est chocolat au lait, donc le blanc et le noir. J'ai aussi pris du caramel beurre salé. Vous avez vu que j'ai vraiment fait, j'imagine qu'il va faire mauvais pour Noël. Alors du coup, mon petit bonhomme en pain d'épices. Après, le nounours guimauve pour mes copines quand elles viennent, les Smarties. J'ai fait le plein. Hein. Un autre nounours guimauve, parce que les chocolats, c'est bien quand on est tout seul, mais c'est mieux de les partager. Je me suis offert un choco-grenouille. Et pourquoi un choco-grenouille? Parce que oui, c'est Harry Potter, mais c'est surtout parce que j'ai vu pétille dans la bouche. Vous savez, ce fameux pétillement dans la bouche que j'aime bien, chocolat pétillant dans la bouche. Et le « je peux pas, j'ai aquarène » en tote bag. Voilà, ça parce que des tote bags, vous le savez, on n'en a jamais assez pour faire les courses. Donc, voilà, c'est pratique. Il suffit juste de penser à les emmener en fait. Et j'ai craqué parce que ça fait un moment que je louche dessus et que j'ose pas la prendre. Vous savez, je suis pas une fan de cannelle. Et j'ai voulu quand même tester le chocolat de Noël, le cacao de Noël. Donc je viens de me faire tremper avec les chiens. J'aurais bien mérité un bon chocolat. Il est un peu plus de 21 h. Je vais pas me prendre un chocolat à 21 h. J'ai peur de pas dormir avec le taux de sucre. Mais j'ai très 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 hâte d'y goûter. Voilà. Et cette vidéo est terminée. C'était un petit retour au comptoir de Mathilde. Ça va être mon comptoir de Mathilde du mois de décembre puisque je ne vais pas y retourner. J'ai pas l'intention d'y retourner. De toute façon, vous savez, j'avais déjà budgétisé
comment ça s'appelle, mon enveloppe pour Noël, voilà, je vais y arriver. Des fois, j'ai des bugs comme ça, surtout quand il est tard. Surtout, j'ai travaillé aujourd'hui, enfin, j'ai travaillé hier, pas aujourd'hui, non, aujourd'hui et hier. On est samedi. Je suis perdue, je vous jure que je suis perdue. Il y a des fois, je déconnecte complètement. Donc, c'est un peu le souk en ce moment à l'usine. Donc, voilà. On s'est fait plaisir. Ben, les copines, j'ai envie de te dire, Sandra, tu passes quand tu veux. Hein. Je sais que j'ai refait le plein des nounours. C'est pas le même nounours que tu avais bu la dernière fois, mais tu passes quand tu veux. Toi aussi, Sylvie, il y a plein de chocolat pour vous. Et puis, ben, ce sera toujours un plaisir de les partager ensemble. Sur ce, les amis, comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, un petit pouce. Dites-moi dans les parfums que j'ai pris, lequel tiens vous tenterait le plus. Et puis, ben moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai une petite info. Je pense que cette vidéo va sortir mercredi 30 novembre. Oui, là, on est le 26. J'ai une vidéo qui était prévue pour aujourd'hui, donc je l'ai laissée. J'en ai une autre à paramétrer. C'est le grand retour de course qui va me durer tout le mois de décembre. Et celle-ci va sortir le dernier mois de, enfin, le dernier jour du mois de novembre. Et à partir du 1er décembre, eh bien, je vais ouvrir le calendrier, les calendriers de l'Avent avec vous dans de courtes vidéos parce que je ne sais pas du tout comment je peux aménager ça. Avec le travail, je pense que ce sera juste des courtes vidéos. Si je peux vous partager des petits moments de vie, je le ferai aussi. Je vous donne un rendez-vous du coup ben demain, pour vous demain, si cette vidéo arrive à sortir en temps et en heure. Sinon, ben, peut-être que le calendrier sera commencé. Bref, j'arrête de blablater. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis moi, ben déjà dans les vidéos bilan du mois de novembre, qui ne vont pas être aussi terribles que les deux autres mois, mais c'est pas grave, c'est comme ça. On prépare Noël, hein. On prépare le froid aussi. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo, les amis. Bye bye. Un petit commentaire, un pouce et puis un abonnement. Merci. Et au fait, merci aussi aux derniers abonnés. Et ben alors, je manque à tous Merci parce que j'ai toujours des surprises quand je vais sur le compte. Et ben merci, 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 merci. Ça me fait chaud au cœur de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Bisous, bisous!